Bonjour, bonjour. Si y a un monde qui est en bas live là, tant pis, partagez live là pour nous. Ma PC est organisée, moi, pour qu'on filme bon. Même souhaiter que tout à l'heure, on a monté. Si y a un monde qui est en bas live là, fais-nous connaître. Sinon là, bonjour, bonjour. Femme connaît nous en bas live là, tant pis, m'a PC partagé avant que me commencer et de me partager live là. Bonjour, si quelqu'un qui est en bas live là, moi salue nous, moi dis tant pis de me partager live là, m'a essayé partager avant même que me commencer, moi souhaiter commencer non 2 minutes encore. Moi salue tout le monde, moi dis nous bonjour. Partagez live là, tant pis, avec famille nous, avec amis nous, pour moi si nous commencé à l'heure. Même là, nous avons un petit en retard, mais nous avons fait effort pour que nous avons deux, trois personnes qui branchent avant même que nous commencions. Tant pis, partagez live là. Bon, moi salue nous, moi dis tout le monde qui est en bas live là, tout le monde qui vient pour regarder live là, moi salue nous, moi dis nous toutes bonjour, moi souhaite que nous t'ayons passé une bonne semaine, moi souhaite famille nous en forme, moi souhaite amis nous en forme. Moi pote un autre sujet pour nous matin, mais avant même que moi commence, m'a salué sponsor moi qui c'est Blaise Law Office avec avocat Mackenly Augustin. M'a salué tout P Energy Printing Services qui dans la cour Boston. Si nous besoin aide, pas hésiter contacter yo. Yo là pour ba nous service. Si nous capable, tant pis continuer partager live là. Bon, je vais commencer le matin. Je vais saluer tous les auditeurs, auditrices, tous téléspectateurs, téléspectatrices, tout le monde qui vient pour regarder Showan, dans le jour qui vient. Je vais saluer nous, je vais dire nous bienvenue encore dans l'émission Coin de réflexion. Quel sujet je vais porter pour nous le matin? Sujet je vais porter pour nous, c'est ADHD, ça c'est le terme en anglais, ça y aurait ADHD, qui signifie Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Là, je me contacte aux amis parce que j'ai besoin de mettre dans une langue créole ou bien français pour nous plus comprendre. Donc, l'ITEDIM, c'est trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Trouble
du déficit de l'attention avec hyperactivité. Et c'est pour nous garder problème si moun yo gagnent, si moun qui pas capable de concentrer, yo pas arrêter focus. Et puis yon ti moun qui très hyper, li très réactif, li pas jamais rete sans pas faire mouvement. C'est sujet ça nous vinn traiter pour même matin. Gesli, moi dire bonjour, bienvenue et moi mande ou pour partager live là pour nous. Qui ça ADHD vle di? Qui ça ça y est? Parce que pile fois peut-être le nous té dans pays nous te kakon ap gade ti moun, ap observe, men nou pa jam konnen ki sa liye, parce pa gen moun ki jam explike nou, di nou ki sa ADHD ye. ADHD se yon troub mental, yon kondisyon kronik, kote individu a gen difikulte pou l'konsantre, li hyperaktif, li impulsif, sa vle di li agi san pa reflechi, li agi nan moment ou bien nou kapab di li agi sou impulsion et li gen difficulté pou régulariser émotion li pou tempérer ti moun ki konsa yo gen difficulté pou yo tempérer et en pile fois yo très désorganisé yo pa pranje chanm yo pa pranje bureau yo jwet yo ap tout partout c'est ou même ki pou ap kouri derrière do yo donc condition ça affecté 15% ti moun et 5% grand moun. Donc d'après moun qui fait recherche yo, c'est un problème neurologique qui fait impact sou yon pati nan cerveau nou. Et songe que li fait impact sa nan pati cerveau qui capable aider nous planifier, pati cerveau qui capable aider nous rester concentré. Pati cerveau qui capable aider nous exécuter tâches nous gain pour nous faire par exemple faire devoir par exemple faire travail que bon faire la caillou ou bien même travail et dans job que ouyé c'est ça ADHD ayé en gros encore moi saluer Paul et Gesli moi dit nous bienvenue continuez partager live là pour moun yo commencer interagir poser questions pour nous aussi na aider communauté nous. Qui ça qui passe dans cerveau yon moun ki gen ADHD? Cerveau moun ki fait ADHD développer pi slow, on ti jan pi doucement. Pi slow pi doucement que yon moun normal. Voie neuro yo pa connecté et yo pa grandi nan même volume. Donc li vin rann li pi difficile pour individu ça. Rete focus, rete concentré. Recherche démontre que ti moun ki gen ADHD gen kek pati nan cerveau yo ki pipiti pase yon ti moun ki pa fè ADHD. Tande bien, oui? Recherche démontre ti moun ki fè ADHD gen yon pati nan cerveau yo ki pipiti ke ti moun ki pa fè ADHD. Songe cerveau nous c'est organe qui contrôle pensée nous, li contrôle émotion nous et li contrôle comportement nous. Lunise, Sandy, welcome to the show. ADHD commence dans l'âge ti moun, par exemple teenager gen ADHD, mais li commence depuis le petit. Donc s'il pas traité, la continuer ou dans la teenager ou goumer avec attention ou goumer avec qui gens pour organiser et li kon persister rive juste dans l'âge adulte c'est si n'a gardé comportement moun yo en pile faut regarder un grand monde dit ah ça son grand monde qui gain ADHD on garde signe ak symptôme moun qui fait ADHD c'est ça qui est important gain trois symptômes essentiel pour yo diagnostiquer un monde avec ADHD. Gagne ça nous relé attention, inattention, hyperactivité avec impulsivité. Songez, faut que signe nous pas parler de yo, faut que yo fait souvent, faut ti moun nan fait expérience de symptômes yo souvent et faut action ti moun nan pas passer seulement en dan kay la.
faut qu'il répète peut-être dans l'école, il faut qu'il répète dans le milieu côté la socialiser avec l'autre monde. Donc, il nécessairement faut qu'on gagne deux espaces ça yo côté ti moun nan a agi comme ça pour capable diagnostiquer avec ADHD. Ça veut dire si c'est seulement la caille là, il voltige, il restless, il pas ka camper, yo pas diagnostiquer avec ADHD. Mais s'il comme ça ni la caille, ni l'école, ni nan espace social, y a diagnostiquer avec ADHD. Nous pral garder si premier qui c'est inattention. Comment on fait qu'on est que ti moun sa a un problème inattention? Et avant même que moi entre la donne et le nous dit inattention, yo capable diagnostiquer ti moun avec ADHD et puis yo dit qui prédomine par inattention. Ça veut dire ti moun nan pa gen hyperactivité, li pa gen impulsivité. Ou bien deuxième nan, y a dit que li gen ni hyperactivité ni impulsivité, mais il pas de problème attention. Ou bien yo combiné tous les deux, si moun nan gen tous les deux problèmes ça. On regarde signe pour inattention. Si moun nan apral paraît yon ti jan négligent, ou bien nous capable di li paraît un ti jan insouciant parce que li fait en pile erreur dans n'importe ça l'a fait. Parce que li pas capable prendre sans le la fait en bagaille. Li pas capable rentrer dans détail parce que li pas gen capacité pour le rester concentré. C'est ça qui fait ou après paraît un petit gens négligent. N'a gardé tout, ti moun nan gen difficulté pour le concentrer pendant que professeur a enseigné. Ça veut dire professeur devant, li gen wap gade professeur mais pas rien que rentrer parce que il pas capable rester concentré et même une conversation que on fait ensemble avec lui, il pas capable concentré dans conversation et il est plus loin, il capable lire un livre, il déconcentré pendant que la lit livre là. Ça veut dire ouais c'est un petit monde qui a difficulté pour le concentrer, pour le rester focus. Ronise, welcome for the first time in the show. I'm really happy you're here. Non, inattention toujours, même là on parler à ti moun directement, on fait une conversation avec elle, on regarder le danger, ou capable rendre compte que ti moun n'a pas vraiment à écouter ou li pas vraiment à suivre ça ou dire. C'est comme si l'esprit li en l'autre côté. Même là pas gain bruit, pas gain distraction dans environnement, mais l'esprit ti moun nan yon l'autre côté pendant que on fait une conversation avec elle. Ti moun nan tout li gen difficulté pour suivre instruction, pour suivre direction. Li pas songe ki travail ou te dit le fait. Et peut-être tout li ka même commencé fèl et puis li déconcentré bien vite. Li déconcentré bien vite. Ti moun nan gen difficulté pour organiser ti affaire. Li pa gagne sens d'organisation du tout. Par exemple, ou pou chanm li toujours en désordre, li va terre, culotte à terre, slip à terre, cahier, téléphone li en bord, laptop li en l'autre bord, tablette li en côté. Li pa gagne sa nouvelle sens d'organisation. Et ou pou tout, li pa capable gérer temps. Ça veut dire li pa capable faire un schedule pour dire OK, moi arrivé là quand il est 3h, m'a manger, m'a prendre un nap et puis m'a faire le voir. Il pas vraiment une capacité ça à cause de problème ADHD que il a. Ou après tout, c'est un petit monde qui essaie éviter. Il essaie éviter toute activité qui mande pour lui pour le concentrer. Ou après, il pas aimer participer dans travail qui mande en pile effort mental. Il pas remè réfléchi en pile parce qu'il connaît dans moitié route la campé. Par exemple, si son monde qui veut dans l'âge grand monde, il toujours gain ADHD, il pas remè préparer rapport. Il pas remè remplir une application. Gon bonne bagaille, il pas fait. Excusez-moi.
m'a salué cousin Volny qui en bas live là, moi dit ou tout bienvenue. Si moun nan tou li perdu bagay ki important ki pou ede l rempli yon tache ou bien pou fè yon aktivite. Ou pa gade le m'ap bay definition ou ap ka wè ki sa ki aproprye a yon moun ki gran moun ou bien yon ti moun. Par exemple, moun sa perdu klè l tout an et bien souvent. Li toujou ap perdu klè l, li rive nan store, l'ap gade yon rad, li bliye bousli, li perdu bousli, lunèt. Li perdu lunèt li, li kapab perdu telefòn ni et li kapab menm rive perdu des documents ki important pou li. Sa yo yo plus gen rapport tout avec grand moun. Ti moun nan li kapab perdu telefòn ni, mais un grand moun ki fè ADHD, ou ap toujou perdu clé, li toujou pa konnen kote li depose telefòn ni. Li gen doit fè ADHD parce li pa janm konnen ki sa sa ye. Ou ap tout ti moun nan distrait très 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 facile. N'importe petit bruit que le tendez, li automatiquement distrait, li déconcentré la même. Et parfois li même distrait par propre pensée pâle. Ça veut dire là fait un devoir et puis li gon pensée qui vient dans tête, li totalement distrait et puis li par contre côté lié dans devoir que l'a fait, li perdu. Ti moun sa tout, li blié souvent. C'est ça que fait wapou, paraît un petit gens négligent et grand moun yo tout moun nan toujou oublié payer téléphone li ou te bal fait en commission li oublié ki commission te bal fait moun rele l moun text li oublié retourner appel li oublié retourner text message et moun sa yo kon gen rendez-vous kay docteur yo même oublié appointment docteur et yo rive bien loin toujours. Yo oublié si yo te gon job interview. Ça yo se bagay ki important. Donc si ou même ou grand moun wè sa rive souvent, c'est que ou ka peut-être gagner un déficit attention ça. Ou gen pa gen hyperactivité avec impulsivité, mais ou gen problème attention. Avant même que me rentre dans impulsivité avec hyperactivité dans signe ak symptom yo, m'a pran yon minute pour me saluer tout moun ki en bas live là. Encore nous dit Bonise, Lunise, Jonas, Paul, Volny, moi dit nous tout bienvenue. Père Jacqueline, bienvenue dans Showa, t'en prie partager live là. Pour plus monde capable ouais pour attendre pour chercher moyen pour aider ti moun yo. Songez sponsor nous c'est avocat McKinley Augustin qui nan Blaise Law Office, qui nan 130 North Flagler Avenue, nan Pompano Beach. Releo nan 954-388-5300. Songe avocat McKinley te di, tout moun ki ap rempli pou TPS ki bezwen aide, releo lap aide nou gere problème TPS sa. Pas hésiter tout, faut que nous supporter sponsor nous P Energy Printing Services qui nan Boston. Yo fait impression sous mayo, sous mug, yo fait carte de business, yo fait banderole. Tout ça nous besoin, relé yo nan 786-222-5077. Relé sponsor nous, avocat McKinley Augustin avec P Energy Printing Services. Kon y a an gade sin ak symptom, impulsivité ak hyperactivité. Ki sa ki a fò ran nou kont ke piti tou wa li hyperactif ou bien li gen problème kontrole impuls li. Ti moun nan agité, par exemple, li toujou ou chita sou table avèl, m kon gen un client ke m'ap pwen et puis pendant que nou chita et puis la tape men. S'il pa tape mail, la tape bien. Comme s'il gen yon nan de bruit sa yo la fait. S'il pa fè yo, ou ap wè la tortiller, li vire sou chaise la, li vire kol à droite. The child start squirming, they turn around, they keep moving, they are very restless. C'est ça. Ti moun nan tout li gen difficulté pou rete chita en place. Le supposé rete chita côté que yo expect
pour rete chita. Par exemple, lò nan sal de klas, fò rete chita. Si ou gen bezwen, wap mande permisyon. Mais si moun ki gen ADHD, ou ap pral just leve nan klas la et puis il marche, il vire, c'est pas rien que l'a cherché, li juste pa ka rete chita en place. Ou ap pral tout si moun sa kouri, il toujours ap grimpe, n'importe bagay, même bagay ki pa approprié, li grimpe monte sou table, ou ap pral si son ti moun piti, li louvri pot frigide a l'ap grimpe. Étape yo nan frigidaire, li grimpe bureau, c'est comme si la grimpe tout bagay ki nan environnement. We now welcome. I haven't seen you, I haven't heard you in a long time. So welcome to the show. Ti moun nan tou li pa kapab participer nan activité sans pa fè bruit. Par exemple, fami nan yon chita, y ap gade yon film ansanm. Ou apre li gen bruit la fè. Nous gen dwa nan restaurant ap manje en famille, li gen bruit la fè ki ka peut-être déranger nous-mêmes ou bien déranger l'autre monde. Ti moun nan tou li agit tankou se yon moun ki toujou gen yon bagay pou le fè. Li pa kapab ou bien li inconfortable pou le rete chita pou yon long période de temps. Li pa ka rete chita la jan mwen menm mwen chita la pou 30 minutes. Et parce que li fè ADHD, li fè partie ki rele hyperactivité ou bien impulsivité. Faut lever, faut chercher yon bagay pou le faire, faut manyen ça, faut manyen à droite parce que li pa gen capacité ça, li gen difficulté pou le rete chita en place. Ou pou tout si moun nan parle en pile. C'est comme s'il toujours gen yon bagay pou le dire. Li toujours gen yon bagay pou le dire. Li pa ka contrôler tête li nan parler, li poser toute question que ou connaît qui possible. Ou apwè ti moun sa li toujou kouri bay réponse. Par exemple, professeur a posé une question, le poko même fin poser question, li gen répond question. Pendant que ou ap pale avèl, ou poko fini, li complété phrase la pou. Parce que li pa kapab gérer ça la kayli. Yo kon gen difficulté pou yo tann le pa yo. Par exemple, si yo nan ligne, yo pral nan lunch, yo vraiment impatient, yo pa kapab rete nan ligne, yo senti fò yo ta passe devant ti moun, ou bien ou apre yo kite ligne nan, yal derrière, yal chèche an kote pou yo pale, comme si yap fè yon activité parce que yo vraiment impatient. Ti moun sa tou l'ap interromp ou bien l'ap déranger conversation l'autre moun. Li juste rentre dans conversation sans que ou va inviter l, sans que ou va poser le question, li juste rentre dans conversation hein? Et ti moun ki konsa yo tou yo utilize a fè moun sans ou va mande. Par exemple, y a pran tablette grand frère ou bien grand sœur ou bien laptop parent yo sans que ou va mande, yo juste parèt yo pran, y a utilize, yo pa mande permission. C'est parce que yo pa gagné contrôle ça. Deti, welcome to the show. Donc tout ça moi se décrit pour nous yo c'est parti hyperactivité avec impulsivité que ti moun nan gen la kayli que li pa gen contrôle. Songez que moi dit nous gen parti dans cerveau qui développé pi doucement et gon parti dans cerveau yo qui pi piti que yon ti moun ki pa gen ADHD. M'ap li question elle comment kap ede communauté haïtienne nan accepter diagnostic ADHD a. Li yon ti jan vraiment difficile. Ceci c'est parce que mwen konn gen en pile patient ki haïtien. Donc yo konn pa konnen si se problème ADHD ti moun nan gen. Donc je dis c'est des autres qui descendent. C'est tande pas tande, c'est juste li vle fè sa li vle. Et puis yo bat ti moun nan, mais n ta renmè nou fè yon expérience. Si ou gen yon ti moun ki fè ADHD, ouè ou kalèl, par exemple, ou ka kalèl pou menm ba la 3 fois nan semen nan, parce qu'ou vle le rete chita la sans le pa déplacer. La toujou déplacer parce que li pa kapab kontrole pati nan cerveau sa. Sans que le pa gen médicament. M'va rive sou médicament avec nous. Donc,
grand moun yo pou ta fè yo accepter c'est parler pour parler avec yo. C'est psycho education, psycho éducation pour faire avec parents sa yo. A moi dit Desrosiers, bienvenue dans show. Louis, Mario, welcome. Donc, mais qui j'en diagnostic? Tant que moi te dis nous, gen pati attention, c'est youn, yo capable dit moun an fait ADHD avec predominantly attention issue. Ou bien, li fait ADHD avec predominantly hyperactivité avec impulsivité. Ou bien tout, li fait tous les trois. Parce que gen pile an pile ti moun ki fait tous les trois combiné et puis yo bali diagnostic qui combiné ni avec attention et avec hyperactivité et impulsivité. Traitement, nous capables de traiter, ce n'est pas guérir, non, mais nous capables d'utiliser un traitement pour aider si moun sa gérer trouble, déficit sa que le gagne dans le cerveau. Avec un bon traitement, nous capables d'aider si moun nan gérer presque toute situation sa yo. ADHD, c'est médicament thérapie. L'homme dit thérapie, il y a plusieurs types de thérapie que m'bral fait un petit parler sous l'épi devant et il y a plusieurs tout médicaments. Donc, moi-même, toujours conseille patient moi yo pour thérapie. Toujours conseille patient mieux pour utiliser thérapie avant même que wal nan médicament et surtout moi connais communauté haïtienne nan yo pa renmen médicament du tout mais c'est sûr gen ti moun ki capable fonctionner avec ADHD sans médicament sans thérapie. Ça dépend de qui niveau qui degré li rive et ça dépend de qui encadrement li joine nan men parent kap ede l gérer ça. Gen ti moun tou yo kapab fonctionner avec thérapie a seulement et puis yo reprenn nou. Mais gen lot fò yo pran ni thérapie ni médicament. Yo besoin tous les deux pour yo fonctionner. Le plus souvent leur a référé un parent pour wap référé parent pour aider ti moun nan. Donc ou di parent m'a commencé avec thérapie, si ça pas marché, d'elle m'a préféré. Mais le plus souvent, ça qui est plus important, c'est pour garder est-ce que ti moun nan capable bay rendement l'école. Parce que en pile fois, c'est signe, symptôme yo qui fait ti moun nan pas capable concentrer, li pas capable apprendre, li pas même tendre sa professeur a dit, li pas ka suivre direction, li vinn frustré, l'el frustré, li kon réagir. Li frustré parce que tout si moun fini de voir, li même li pas capable de finir par là. C'est une réaction qui normal en tant que un petit moun pour le frustré. C'est ça qui fait li important pour nous apprendre qu'on est petit nous. Donc depuis trouble ça affecté petit moun académiquement, c'est tout normal pour me référer pour médicament. Parce que ou pas vle pour petit moun depuis dans élémentaire, middle school, high school et puis li pas jamais passé classe yo. Li pa jam comprendre mathématiques, li pa jam comprendre science parce tout simplement parce que li pa gen capacité. On retourne en thérapie. Thérapie nous utiliser CBT. Nous dit cognitive behavioral therapy. Thérapie ça c'est li même qui aide ni thérapeute là, ni ti moun nan, ni professeur, ni parent. Comprendre relation qui gagne en façon ti moun nan pense et qui jan li comporte. Donc le ou utilise type de thérapie ça qui relie pensée à comportement li aide ti moun nan éliminer comportement qui bay problème dans salle de classe. Comportement par exemple li pa kare chita fòl toujours marcher dans salle de classe là. Oui. Professeur a énervé me des professeurs tout parce que ou vinn perdre du contrôle. Comportement côté ti moun nan, l'el frustré, li ka pran yon plume, li flick li to the other side unknowingly that it might hurt somebody else. Ou bien li pran yon livre ou bien un bureau li voyer nan l'autre
coin classe là. Tout ça c'est frustration. L'autre thérapie nous utiliser c'est groupe thérapie. Groupe thérapie c'est pour mettre ti moun nan yon milieu côté gen l'autre ti moun qui gen même problème avec. Ça fait groupe thérapie a important parce que pile fois ti moun yo kon pense c'est eux même seul qui gen problème nan, c'est eux même seul k'ap goumen, c'est eux même seul k'ap struggle. Yo pa comprendre si gen l'autre ti moun qui gen même problème avec yo. Et en pile fois groupe thérapie a aidé parce que yo capable trouver des techniques, des stratégies pour aider yo contrôler tête par yo. L'autre thérapie nous utiliser c'est psychoéducation, c'est pour capable éduquer parents yo de ADHD, qui ça qui est ADHD pour parler de signes, de symptômes et qui moyen yo capable joindre pour aider ti moun nan. Donc faut aider parents yo comprendre qui ça ADHD a. Parce que si parents pas comprendre, surtout parents haïtiens, ils ne pas vraiment marcher. Ils ne pas marcher là-dedans. Moi, rencontré un pile qu'à côté de ti moun, ils ont un problème, ils ont grandi avec elle. Leur parler avec parents, ils disent, oh, je vais me chercher elle. Ou moi, dis, ok, et comment grade l'été depuis non troisième, quatrième, cinquième, sixième, dit toujours fait F à 10. Mais qui ça qui fait F à 10, je ne sais pas. Mais ou même thérapeute ou gen tan rann nou kont que ti moun nan gen yon problème concentration que parents pa janm chèche aide pou li ça cause ti moun nan fè tout élémentaire tout middle school la goumen li pa janm ka fè yon A li pa janm ka fè yon B et en pile fois ti moun sa ou c'est ti moun ki très très intelligent. Yo kon très très intelligent. Mwen gen yon neveu m ki kon sa li très très intelligent. Mais il y a un pile symptôme dans ADHD. Mais il est très très intelligent. Mais lui-même, parlant, il a banni en calouement. Côté même lui-même, il doit parler, il compte que il fait ADHD. L'autre type de thérapie nous fait, c'est anger management. Montrer ti moun nan ki jan pou gérer frustration. Bal des techniques, des stratégies pour l'aider à calmer tête li, le fâcher, le frustrer. On l'autre encore nous fait family therapy qui presque même genre nous fait même bagaille psychoéducation et ça qui ajoute en plus là-dedans nous mettez quelques aider parents mettez quelques structures en place parce que sans nous pas connaître si moun remet structure nous même parents nous connaît pas connaître ça yes faut si moun non bon structure li rentrer en dans structure que parents parler pour lui c'est pas que c'est ti moun nan ou pral joindre oui tout ti moun différent mais faut qu'ou bay ti moun nan yon structure pour pas dérailler. Et nous aider parents tout pour créer une routine pour aider ti moun nan fonctionner pi bien. Si moun ki fè ADHD, sou travay nan l'école ou kapab ran nou kont de sa. An pil fwa wap paret wap pou gen yon schedule. Professeur kole yon schedule nan mur. De tel lè a tel lè nan fè sa. De tel lè a tel lè nan fè sa. Le sa, ti moun nan kapte schedule la. Li kon exactement. An pil fwa, yon kon schedule la nan tèt yo. Li kon exactement sa pou l'fè a tel lè. Et se menm jan nou kon ede paran yo fè yon routine pou ti moun nan. Par exemple, si parent gen problème avec ti moun nan le réveil le matin, nous capable de le créer yon routine pour le lever, pour le préparer pour la l'école, qui ça le fait avant, si la bain, si la bosse dans, si la manger, habiller et la trier. Ou bien yon routine pour le saut l'école qui jan pour le faire, pour le faire devoir que yon ba li pour le faire la caille. Donc c'est ça nos family thérapie à nous faire. Médicament lui-même li aide ti moun yo contrôler comportement qui créait problème ak fami yo, problème ak zanmi yo et problème difficulté que yo gen l'école. Li capable c'est un stimulant, comme ça tout li capable yon non stimulant. En pile fois médicament yo
deux petits monde capable à prendre même médicament, même dose, mais il pas fait même effet sur tous les deux. Il fait, il capable faire un effet totalement différent de deux petits monde ça. Et m'a rappelé nous oui, médicament il gagne des effets secondaires. Le plus souvent, médicament pour ADHD, il affecte appétit timoun nan ou bien il affecte sommeil. C'est soit il fait timoun nan pas manger. Gen pile moun c'est comme ça le commencer ou bien timoun nan gen problème dormi, il pas ka dormi. Et en pile fois, leur commencer un médicament, c'est pas premier jour parce que moi rencontrer ça parent ba li médicament pour yon jour. Deux jours, il dit, ah, ma balle, encore, il n'a pas mangé. Faut qu'on songe que médicaments, faut qu'on adapte à système timoun. Donc, faut balle un petit temps, oui, faut suivre. S'il fait pas manger du tout, la perte du poids, ou obligé, retourner dans le docteur pour dire, mais qui ça va passer? Le sale docteur a changé médicament. Si tout médicament fait pas dormir, ou bien médicament qui a fait dormir trop, ça la donne tout. Docteur a supposé changer médicament. C'est soit changer dose là ou bien changer médicament. Mais faut qu'il travaille avec docteur pour joindre médicament qui pi bien ajusté à timoun. Mais gagnel, il capable prendre temps. Gè timoun ou changer médicament n'importe 3 4 5 fois avant pour finalement joindre the right fit, the one that really works for that child. Parce que timoun nan différent. C'est pour tout moun ki nan environnement timoun sa travaille ensemble pour capable joindre un bon résultat. Par exemple, faut parent, faut professeur, faut thérapeute que li gen en dehors de l'école là, faut docteur qui prescrit médicament et PCP, primary care doctor qui vient, docteur famille et guidance counselor, school counselor. Faut tout le monde ça y va travailler ensemble de quoi pour jeunir un bon résultat. Oui, il y a un petit monde qui fonctionnait très bien avec ADHD, qui graduait high school, qui rentrait collège, qui a fonctionné très très bien. Mais faut tout le monde mettre main ensemble pour capable observer petit monde ça pour nous chercher plus bon moyen pour aider gérer ADHD. Songez-moi te dire nous gen moun ki capable gérer ADHD à sans thérapie, mais faut le joindre. Si son petit moun faut le joindre, y a un bon encadrement. Gen tout qui besoin thérapie à seulement parce que leur joindre technique là ça aider gérer bien, mais gen là dans tout, y a pas de contrôle du tout, y a besoin ni thérapie ni médicament. Et en pile fois ou capable commencer thérapie pour un nombre de temps ou stopper, mais faut ti moun nan continue prendre médicament. Et faut parent continuer observer comportement ti moun nan. Donc c'est ça ADHD en est, c'est tout type de traitement ça yo que ou capable mettre ensemble avec parent, professeur et docteur li pour guidance counselor dans l'école là pour aider ti moun nan gérer ADHD. Moi j'ai quelques conseils moi porter pour parents yo. En pile fois, c'est parce que parents yo pas gen temps, yo toujours occupé, yo pas vraiment concentré sur petit yo. Gen parents qui pa me connaît qui non professeur ti moun yo. Ou obligé en tant que parent, c'est pas pour étendre ses professeurs pour le non, ça c'est petit tout. Professeur a fait un job et songez que il y a un petit monde devant. Donc ou même si vous concerné, c'est ou même qui pour chercher qu'on est professeur ou même qui pour chercher ou écrire ou texte ou reler pour demander comment petit moi a dégager qui problème li ba ou. Faut que nous apprenne commencer poser question ça yo à professeur yo dans l'école timoun nou. Songe supporter sponsor moi qui c'est Blaise Law Office avec avocat McKinley Augustin qui dans la cour Pompano dans 130 North Flagler Avenue.
Mackenzie te dit moi tout le monde qui a un problème TPS, qui a un problème l'argent pour gérer papier TPS yo releli l'a aidé nous, il y a un staff qui parle créole, qui parle anglais, qui parle espagnol, l'a aidé nous résoudre problème ça. Donc releli dans 954 388 5300. L'autre sponsor moi rien c'est P Energy Printing Services qui dans la cour Boston. Yo fait impression sous maillot, sous mug, yo fait carte de business, yo fait banderole, yo met dessin là-dedans, yo écrit tout ça voulait JP Energy Printing Services fait yo. Nous capable reler on dans 786 222 50 77. Konya, mais quelques petits conseils moi gagne pour parents ça yo. Le ou gen petit ou nan thérapie et en pile fois parents kon pense OK, me chercher thérapie pour petit moi. C'est un pour thérapie cela c'est un magique ou pral faire et puis tout comportement pral changer du tout pas. Pas gen ken magique, c'est un bagage de pratique. Qui genre fonctionner avec ti moun nan qui pratique ou pral utiliser pour aider le gérer comportement ça. Donc quelques conseils moi gen pour parents yo. Faut nous créer une routine si nous avons un petit moun qui gen problème ADHD, créer une routine pour yo. Essayez suivre même schedule là chaque jour. Là ou commencer faire ti moun nan pral gen schedule là nan tête li. Li pa bliye faire le voile, li pa bliye travail sous projet et li pa bliye faire lecture que tu as supposé faire chaque jour. Ça c'est pour parents qui fait ou faire lecture. L'autre conseil, encourager yo pour yo mettre valise l'école yo, souliers yo, jouet yo ak liv yo même côté à chaque jour. Ça c'est pour aider ti moun nan avec sens d'organisation que pa gen. Si ou edel, mwen promet ou de vous créer routine nan pou li. Li konnen, lèl vin se l'école, valise la, soit li pandyèl nan closet la ou bien sous deux chaises qui devant bureau a, la fè chaque jour. Si lèl retire souliè a, ou conseille pou mette souliè en bas cabane ou bien nan closet la, la fè chaque jour. Si lèl fin joue, ou gen un espace bien spécifique pou mete tout jouet yo la fèl chaque jour. Si ke li konnen lèl pran un liv, li gade imaj la ou bien lire, li konnen lèl fini fòl depose l sou bureau. La fèl chaque jour. Donc encourage yo pou yo mete tout a fè yo menm kote a chaque jour. C'est pour aider ti moun nan gen sens d'organisation ça. Aider ti moun yo gère distraction. Par exemple, sou bon ti moun ki fè ADHD, ou pas capable la faire de voile télévision l'ouvrir en bas tablette la l'ouvrir en l'autre bas ou pas aider faut aider gérer distraction faut qu'on ferme télévision éviter espace qui gagne bruit côté la faire de voile là et ça qui est important tout c'est pour ça qui est important c'est pour aider ti moun nan joignon espace qui propre le la faire de voile. Mais il y a quelques petits monde que musique capable de leur faire le voix. Moi-même, moi pas connais ça. Si mon nan gen a dit ça en tant que un thérapeute, même pas connais parce que la caille. Mais ou même qui parent, faut qu'on suive parce que tant que moi-même, on ka faire de voix avec musique avec télévision, n'importe toute bagaille qui on, on ka chita la me faire de voix moi concentré. Mais c'est pas tout petit monde bien que me pas faire ADHD. Mais si moun ki fè ADHD, an fò kou konnen l byen pou konnen nan ki milye la fonksyone pi byen. An tan ke parent. Lòt bagay se limite chwa nou bay ti moun yo. Par exemple, sou gen ti moun 5 ans ki fè ADHD, ou pa kapab pran yon rad roz, yon rad jaune, yon rad rouj, yon rad blan epi ou di chwazi. Ou bal trop chwa, ou vin rann li konfu. You making your child is confused because you're giving them too many choices. You got to give two choices. Deux choix seulement.
Est-ce que vous avez mis rad blanc ou bien rad jaune? Nous certains que la prenons dans deux. Ou pas capable de dire qui sont voulez manger pour breakfast matin, un pancake et toast, cereal ou oatmeal. Ou pas capable de battre tout choix ça yo. Li gon problème, li pap suivre penser au même genre. Ou après la réfléchir, oh bon pancake, li confuse. Ou bah ti moun nan deux choix. Qui sont voulez manger matin, céréales ou bien pancake? Ou après bien vite la capable ba ou yon réponse. C'est même gens pour jouer. Dans tout ça, on a un petit monde qui fait ADHD choix. Toujours essayer bal 2. Pas bal 3, pas bal 4. Parce que c'est difficile pour lui, pour le suivre. Penser ou pour le suivre tout ça que vous dites, lui perd du temps quelque part. Essayez tout pour nous très très clair et pour nous bien spécifique. On a parlé à petit monde. Si on a une direction, faut que nous clair, faut que nous spécifique, pas passer à côté, pas virer à droite, pas virer à gauche. Songez, cerveau timoun yo pas fonctionner même gens avec yon moun qui pa gen ADHD. Ça veut dire faut que très clair, très spécifique le wa bay timoun sa yon direction. Téléphone moi cap sonné et puis ma li fait perdu. L'autre bagaille aider yo planifier ça yo gen pour yo faire. Rend tâche la plus facile plus simple pour ti moun yo. Tout autant plus compliqué ti moun qui gen ADHD la gen plus problème, la perdu puis souvent li pa konn ki côté pou le mettre pied. Donc faut li très simple, très facile ou capable de détailler même pour si moun nan capable comprendre pi bien. Et puis tout faut que nous faire un compliment ou bien récompenser yo les yo gen un bon comportement. Du fait que yo gen problème ADHD, yo toujours apprend et nan problème nan classe, par exemple, yo frustré, yo capable goumen et yo frustré, yo capable voyer en chaise, yo frustré, yo capable flick a book or a pencil to the other side of the room. Le nou yo agi bien, faut nous faire un compliment ou bien nous capable même récompenser yo. Ça c'est un encouragement qui aide ti moun mais qui pousser ti moun faire bien tout dans jour qui gen pour venir. Ça c'est pour par haïtien spécifiquement. Si ou gen ti moun ou elle gen pile dans symptôme ça yo, tant pour reprimander, tant pour reler sous lit, tant pour caler timoun nan, ou capable rediriger timoun nan, redirect, m'baron si di moi bien, redirect ou rediriger timoun nan, ou bien ou capable mettre timoun nan en time out, ou bien ou utiliser ça nous reler negative reinforcement. Ça qui veut dire ou prend yon bagay que ti moun nan remen pou joie. Si c'est yon ti moun piti ki capable 4, 5, 6 ans, même 7 ans même, si ou di wap prend TV time nan, ça veut dire pa ka gade télévision, yon jour, ou pa ka fè pou 2, 3, 4, son ti moun piti ke wap di la vel. Niveau l'esprit, pou ko rive nan niveau power. Si son ti moun ki nan 10 ans, peut-être ou capable prendre pour 2 jours, son ti moun ki 12 ans capable prendre pour 3 jours. Tant pour caler pour reler sou ti moun nan pour reprimander, rediriger ti moun nan ou bien ou ka mete ti moun nan en time out ou bien ou utiliser ça nou rele negative reinforcement. Prend yon bagay que le remen fait, si son ti moun ki gen téléphone ou ka prend téléphone nan pour yon jour. Et tout ça dépend de qui degré qui niveau problème que te gen qui ça l'était, c'est à partir de ça pour juger si c'est pour un jour, si c'est pour deux jours, si c'est un monde qui est grand. Créer opportunité qui positif pour ti monde, parce que si c'est un monde qui a goumé la struggle pour le s'il t'a fait B ou bien s'il t'a fait C dans classe là, parce que il y a une difficulté pour comprendre le professeur.
ou capable mettre ti moun nan non activité sportive. Par exemple, li capable remen basket, li capable remen football, li capable remen soccer. Ti moun konn remen musique, yo ka remen jouer un instrument, yo kap très bon là-dedans, yo capable remen art, yo remen dessiner, yo remen faire peinture. Ou ap mette ti moun nan nan yon activité qui pral créer un sentiment positif kay ti moun nan. Ça veut dire c'est pas chaque jour la vini la fâché parce que pas comprendre le voir, li pa ka faire le voir. Kounya le regarder le la performer bien nan football là, la dessiner très bien et que moun ap complimenter. Donc faut ou aider ti moun nan faire des expériences positives pour capable éliminer frustration et pour élever niveau estime de soi ti moun yo. En pile fois ti moun ki gen ADHD they have low self esteem, niveau estime de soi yo très bas parce que yo gen difficulté pour yo produire, pour yo faire bien académiquement. Et nous saluer Ikous avec Dakmar, bienvenue dans émission. L'autre bagaille qui est important qui c'est dernier conseil moi t'a bay parents c'est offrir ti moun yo un mode de vie qui en santé. Par exemple manger bagaille qui bon pour santé yo. Li important pour kembe petit ou actif. Pas quitter le chita devant télévision, devant tablette là, devant laptop là, devant game yo avec téléphone nan mel pour toute une journée. Faut li lever pour le faire ti mouvement. Et puis faut rassurer que petit tout bien dormi. Ça me veut dire par là, ça dépend de l'âge ti moun nan li gen bedtime. Parce qu'on veut ti moun nan dormi, ou veut l'esprit reposer bien, le lever en demain pour capable produire puis bien pendant la salle de classe là. Pour capable concentrer puis bien, pour capable répondre à sa professeur mandé puis bien. Et surtout pour ne pas dormir dans la salle de classe. Donc, c'était un petit conseil ça yo moi porter pour nous. Si nous avons des gens qui ont des problèmes, attention, problèmes, hyperactivité, problèmes, impulsivité. Nous mettons poser question ou bien commentaire. Moi, ouais, Deti dit, this is a very good topic. Thank you. I thank you to everyone. Who is now under the live, moi di nou merci. Li très très important, si ou gen yon zami ou gen yon fami ki gen yon ti moun, le wap suiv li ou en pile nan si, en pile nan symptom sa yo, ou pense ti moun nan ka fè ADHD, peut-être ou même ou kapab pale avec parent ti moun sa, pou li chèche aide pou ti moun nan. Si moun nan se pa li même pou kont pal ki pral chèche aide la, mais c'est ou même en tant que parent qui pral chèche aide pendant que ou pa la professeur, ou pa la avec docteur, ou pa la avec school counselor jusqu'à ce que ou joigne moyen pour aider ti moun sa. Moi quand te répond question Luniz qui dit comment cap aider communauté haïtienne à accepter diagnostic là. En pour me dire la vérité, il est très très difficile avec communauté haïtienne là parce que yo pas vraiment habitué avec le ou dit ti moun fait ADHD. Ti moun nan fait dépression, y a dou c'est ventre li ki trop plein, c'est bien trop bien tandis que ti moun nan capable gen un gros problème que ou même ou pas connaît. Li capable nan dépression pa gen aucune idée qui sa cause petit ou nan dépression. Li capable couper poignet ou bien la couper cuisse li ou pa gen aucune idée en tant que un parent. Donc li très très important pour communauté nous on commencer ouvrir l'esprit yo. Parler avec l'autre monde, leur ouais petit ou gen un problème de quoi pour chercher aide pour li. Li pas facile en pile fois yo dit que moi pas vle ou les bol petit moi pas vle yo meton étiquette que c'est un petit monde qui gen ADHD. En pile fois moi dit OK, on a gen choix. What do you want?
Do you want your child to do good in school? Est-ce qu'on voulait pour petit tout faire bien l'école, pour travailler bien, pour faire A, pour faire B? Ou bien, on préoccuper l'esprit avec sa moun pour le dire? Sa moun pour le dire pas jamais plus important que petit tout. Depuis que ou même ou connaît ou fait vraie démarche là pour aider ti moun nan. Encore moi dis nous toutes merci de ce que nous t'ai en bas live là. Moi dis body merci si nous besoin un monde qui pour host pour nous qui fait un spot pour nous nous capable checker body dans radio télé louange dans Boston. Et moi dis docteur Lino merci, docteur Samon, moi dis Lunise, moi dis Paul. Moi dis cousin Nolou, merci parce que moi fais sans souffle. Faut me reler pour toujours expliquer ça pour me faire. Un gros merci tout à Malakai. Malakai c'est lui même qui vérifie tout petit vlog nous et moi la gué en anglais pour petit moun yo. Donc moi dis Malakai avec maman, merci pour support. Moi dis toute famille avec toutes amis qui bon support yo, moi dis nous toutes merci. Donc, moi souhaite rejoindre nous encore semaine prochaine. M'a excusé, nous t'es supposé gagner docteur Samond ensemble avec nous jeudi. Mais malheureusement, il n'est pas capable là parce que il gagne la mon en famille, mais il promet moi samedi prochain, nous pas gagner docteur Samond avec un sujet qui très très intéressant. On pas dit nous titre là kounya, mais nous capable faire un pile mari nous cousin frère nous amis garçons nous vin en bas live là samedi prochain parce que sujet nous va discuter docteur Samon d'ab gérer partie médicale là m'a gérer partie psychologique là c'est un sujet qui est très très intéressant donc songez nous capable écrire moi dans mpapin2020@gmail.com mpapin2020@gmail.com nous capable aller dans channel YouTube moi pour nous toute vidéo ni ça qui en anglais ni ça qui en créole il y a dans channel YouTube moi il y a une page espace réflexion sur Facebook songez à like vidéo yo faire commentaire et puis partager encore moi dis nous un gros merci pour tout support que nous ban moi donc na ouais encore semaine prochaine merci.